au mois de juin 1965 est apparu ça sur un relevé satellite dans la zone des îles de la Déception au sud de l'Argentine. Les Russes ont tenté de saborder l'opération de renflouage sans y parvenir malgré la violence de l'affrontement. L'objet volant a finalement été ramené sur la base d'Edwards en Californie. Et 10 ans plus tard, le premier drone antigravitationnel à propulsion magnéto-hydrodynamique, ou MHD, a fait son premier vol d'essai dans le désert environnant la base d'Edwards. Et pas mal de prototypes ont vu le jour. Les Belges en ont eu un petit aperçu lors de la vague de soi-disant ovnis en 1989 et 1990. Le modèle incriminé était un Astra TR-3B ou un XR-7 de forme triangulaire et capable de voler silencieusement à plus de Mach 10. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre application concrète d'une de ces technologies, le bombardier B-2. Sa phase de développement a commencé en 1981. Le B-2 officiel qui vola pour la première fois en 1989 va servir de couverture à un autre B-2 non conventionnel qui sera construit en parallèle. Ce modèle ultra secret utilise entre autres un système de création de plasma, exploitant l'écoulement de l'air ambiant comme générateur MHD. Ce système va provoquer une ionisation de l'air autour du B-2 qui supprime la résistance de l'air tout en assurant une furtivité totale à toute forme de radar. Ce bombardier nucléaire vole depuis 15 ans à plus de Mach 10, peut faire le tour de la Terre en quelques heures, ni vu ni connu. Évidemment, ces recherches militaires vont susciter pas mal de retombées commerciales. Ces 10 dernières années ont vu apparaître des dizaines d'armements non létals, comme les e-bombes ou bombes électromagnétiques, ainsi que des armes à micro-ondes et bien sûr les lasers de puissance. Le département de la défense américain, à travers la multinationale Raytheon, décide d'investir énormément d'argent dans un programme expérimental appelé le système HARP, ou High Frequency Active Auroral Research Program. Et c'est tout un programme. Officiellement, la base en Alaska fait des recherches sur la ionosphère. En vérité, les possibilités réelles de l'installation sont énormes. Manipulation du climat, détection profonde de bases souterraines ou de gisements, destruction silencieuse et à distance de n'importe quel objet, et surtout manipulation du comportement humain. Mais en 1996, un satellite russe découvre en Antarctique l'épave presque intacte d'un immense vaisseau spatial dévoilé par la fonte des glaciers. Les prélèvements de glace indiquait une date de crash remontant à 24 000 ans. Au même moment, une éruption volcanique dans les îles de la Déception, les mêmes que précédemment, obligea les Russes à demander de l'aide aux États-Unis, vu l'urgence et l'importance de la situation. Pour la récupération du vaisseau, ils ont dû lâcher l'affaire et ont évacué la zone en catastrophe. L'engin a finalement été détruit par les Russes, très énervés par la situation qui ne tournait plus à leur avantage. Aucun pays n'a jamais retrouvé une occasion pareille. Et cette action stupide de mauvais perdant de la part des Russes n'a fait que conforter la position des Américains face aux extraterrestres. Si cet exposé vous a paru un peu long malgré mes efforts pour le simplifier, il était absolument nécessaire pour en arriver à la partie dont je vous ai parlé au début de mon exposé, c'est-à-dire la conspiration que nous appelons conspiration d'Orion. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits par les Américains ou les Russes seront utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre. Les médias se chargeant du reste, bien entendu. La raison ? Une fois la menace du terrorisme international dissipée, l'économie de guerre des grandes puissances États-Unis en tête aura besoin d'un nouvel ennemi pour prospérer.
La guerre sur Terre sera remplacée par une guerre spatiale contre un ennemi venu de l'espace. Messieurs, je vous remercie. Un dossier complet vous sera fourni à la sortie. Quant à moi, je vous reverrai bientôt pour un second update sur un tout autre sujet. Messieurs.